Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Désolé, c'est le matin, j'ai un rhume, tout va mal. Désolé pour l'état de zombie, de décomposition avancée dans lequel je suis déjà pour cette vidéo. Comme on l'a dit sur la chaîne, là, dans les commentaires, j'avais l'air fatigué. Mais je me lève très tôt ces jours-ci. Là, il est actuellement 6h tout pile, 6h1 quoi. Donc voilà. Alors ici, ça tire à quelle distance mon zozo là, mon zozo de navire? 30 secondes de recharge, c'est énorme. Ça tire qu'à 10 km 9, ça c'est pas énorme par contre. Ok, on va essayer donc d'avancer en crabe là gentiment dans les petites îles là-bas au bout. On a mis le pilotage auto comme vous le voyez. On va essayer de faire une bonne game. Alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des bots? Oui, il y a pas mal de bots, il y a deux vrais joueurs, ok. Croiseur, c'est ça? C'est un croiseur qu'on dit, et cuirassé. Il y a Sirius Red en assaut 3. Et Warrior Tenryu 3, tier 3 quoi, finalement. Okay, chez nous, on a aussi deux vrais joueurs, il y a moi et il y a Pépé Trombone. Okay. Voilà, ça c'était. Alors, est-ce que je peux tirer plus loin? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on attend lui? Ça peut être ça. Ah, il y en a un autre là-bas, tiens. Il s'amène à grands pas, ça c'est sûrement un bot. Lui, il va être dans notre portée de tir, là, gentiment. On va tirer devant lui, là. Voir ce que ça donne, je sais pas s'il tire fort en cloche ou pas, notre navire là. Il y a tout qui passe à côté, merveilleux. Ils passent tout autour. Ils vont se télescoper, ils vont se rentrer dedans. Ça fait un double kill gratos là. Ah oui, c'était sûr. Le nôtre a survécu, bien. J'ai été spot, non, j'ai même pas été spot, très bien. Alors lui là peut-être. Alors ça recharge 30 secondes, c'est long par contre. C'est pire, non. Alors c'est parti sur ces dents là. C'est le vrai joueur ça? Non, c'est pas le vrai joueur. Il avance tout droit, c'est un bot, clairement. Ça touche, ça fait un peu mal quand même là, notre petit navire japonais. Ça reste quoi, cuirassé, donc ça fait mal. Là, il va se faire ouvrir certainement lui. S'il arrive à mettre leur tir, c'est qui notre vrai joueur? C'est pas un lanceur de torpille là. Donc normalement, ils devraient quand même rater assez bien leur shoot, quoique les bots, peut-être qu'ils y arrivent avec les torpilles, là il y en a qui partent. Non, ça part pas très droit, on va quand même tirer. Là il le touche là. Ah merde, je tire le mort du coup. Ah, ça c'est moche. Alors on va aller tirer par là-bas ce qu'il y a. On va un peu pivoter dans ce sens-là. Lui là, il a l'air d'avancer bien chez nous. On est repéré justement. Ok. Alors allons-y Alonso. On va aligner tous les canons déjà sur lui. De toute façon, on est repéré, donc j'ai envie de dire, c'est pas grave. D'avancer un peu au corps à corps. Il est qu'à 4 km. Très bien, on va tirer là du coup. Ici précisément. On tire toute la sauce. Voilà, ça touche, c'est ça qu'on aime. On enlève le pilotage auto et on va avancer dessus. Attention qu'il tire des torpilles. Non, ça va, il vise l'autre petit bateau. Voilà, oh là, il prend cher, là, il prend tout dans les chicots là. Ah, il est mort du coup. Ah, ça fait le taf à ces petits bateaux là, là. Ces petits machins là, là, ils font clairement le taf. Là, il y a la montagne par contre. Tout petit morceau de montagne. Allez, viens mon gros lapin. Ne va pas te cacher là. Ne va pas te cacher là. Reviens par ici, mon gros. Reviens, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, normalement, il n'y a plus la montagne, mais je risque de tirer derrière. Quoique, il est pas loin du tout. Allez, tout qui part dessus là. Ouais, ça peut toucher, pas tellement. Peut-être mon canon automatique va le terminer s'ils apprennent à tirer, là, les oiseaux qui tirent. Ok, alors on recharge encore 30 secondes. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas les vrais joueurs là, s'ils sont là-bas. Ok, on va peut-être les focus gentiment. Attention, là, je prends les rochers. J'ai décalé, du coup. On va les contourner, là, les oiseaux. Alors ça charge, lui, ce serait bien de le finir quand même. C'est quand même dangereux, ça, s'il me colle des torpilles ou quoi. J'ai mon temps de le finir. Ok, la montagne, c'est bon, il est à l'arrêt là. Il va prendre cher là, non, pas tant que ça. Ah si, ça y est, c'est moi qui l'ai eu, ouais. Avec les petites tourelles automatiques apparemment. Lui, c'est pas lui le vrai joueur, c'est pas lui non plus, on va focus le vrai joueur. S'il faut, on s'arrête là, quoique on peut prendre encore en crabe là. Non, c'est lui que je veux viser, voilà, merci. Le viseur automatique, j'ai découvert ça hier aussi. Désolé pour ça. Alors, on va peut-être décélérer là. Non, on va se prendre la montagne malheureusement. On va se prendre la montagne, oui là il y a la montagne, clairement. Benito, ben avance alors, c'est quoi, avance, tant pis. Avance. Allez, on va focus le vrai joueur là. Par contre, il faudrait avancer, là il y a des torpilles qui se baladent, why not. On va avancer là, à travers des îles, on va essayer de pas se prendre 50 000 îles non plus. On va passer ici là, tranquillement. Alors lui, peut-être qu'on l'a en attendant. Non, il y a la montagne aussi, on l'avait peut-être avant, je sais pas.
Le temps de recharger, peut-être lui là, non, il est vachement loin lui. C'est le joueur, il a l'air à l'arrêt. Il prend un peu de dégâts là, why not? Alors lui peut-être là tout de suite. Là, il n'y a pas la montagne, il est quand même à 9 km, je crois que c'est le vrai joueur ça. Vas-y, feu boulette, feu patate. Dans ses dents, dans ses dents. Oui, ça touche, merveilleux. Élément, on lui a fait un canon, ça c'est le vrai joueur? Oui, c'est le vrai joueur. Donc on va bien le focus, on va peut-être ralentir. La personne me focus ici. C'est tranquillou pilou. On est en train de gagner, là on est en train de les laminer. Même si attention, il reste des vrais joueurs qui peuvent faire la différence là, clairement. On va se mettre en quart là. Avant de se remanger l'île. Alors ce serait bien de le tirer avant d'être sur l'île. Et c'est parti. Dans ces chicots là. Voilà. Parfait. Petite pénétration. On peut peut-être viser ceux là maintenant, quoique il y a encore l'île. C'est quoi? On va se remettre en full vitesse là. Là on ne les a plus les oiseaux. On va attaquer les vrais joueurs quand même. On va essayer de les finir au passage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à avancer en crabe sur le côté ou pas? Lui là normalement l'île c'est bon. Lui on peut peut-être le finir gentiment. Attention qu'il y a la montagne là. Là tout de suite, voilà c'est bon apparemment. Il est à 7 km, il avance comme ça. Vas-y feu mon ami, feu, feu, feu. Ouais, je suis quand même amélioré en précision, j'ai l'impression. Lui, ce serait bien de le finir au bout d'un moment. Alors, où est-ce que je vais par rapport à l'île? Je vais prendre par là quand même. 7 km, on peut encore le taper. Lui, de toute façon, il capte chez nous là. Non, ça va. Ça va encore, on a encore l'avantage. Alors, là, on va tuer le petit là à droite. Où il a juste disparu. Ok, il capte, il capte, il capte. Attention quand même à ça. Faut pas perdre à la cape, ce serait moche. Alors, lui. Et ça ne bouge pas, même attention à la montagne là, non ça va. Ça va encore. Ok, touché, surpénétration, il en est où de sa vie? Ah, il est encore un peu vivant, il est encore un peu vivant. Là on va plus l'avoir. Alors les vrais joueurs, ils sont où? Ce qui est sa cape chez nous aussi. Ils ont tué les vrais joueurs là. Ah oui, il reste que des bottes. Très bien, très bien. Il reste que les bottes là-bas. Bah, on peut gentiment se mettre sur eux. Gentiment se mettre sur eux là, on peut avancer à fond, voilà c'est pas exclu avec notre navire assez lent. Allez, ce serait bien de passer l'île. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que non, ça va, je suis bien là dans les rochers. Ça cape des deux côtés. Lui là-bas, il est bien trop loin par contre. Montre, je tire à 9 km normalement, oui, c'est ça, quasiment 10, mais quand même pas. Là, on est pas mal, on est pas mal, on va gagner normalement. Est-ce qu'il nous reste notre vrai joueur aussi? Non, il n'y a plus que moi en termes de vrai joueur là, il n'y a plus que des bots sinon. Très bien, très bien. Alors lui, c'est qui? C'est lui qu'il faut finir. Ouais, il est juste limite trop loin, mais ça passe. Là par contre, il y a les montagnes. Attention, je vais prendre la colline justement. On va essayer de dévier un peu. Il est à 10 km, vous savez quoi? Il avance pas très vite. Là, j'ai l'impression. On peut taper là gentiment. Voilà. On va déjà finir lui. On va se rapprocher. Ah, il n'y en a qu'une qui touche. Non, même pas. Aucune, aucune. C'est pas grave. On va déjà se rapprocher pendant qu'on ne fait rien là. On va se rapprocher des deux oiseaux. Ouais, ça va, on est en train de caper, on devrait la gagner là, même à la cape peut-être. J'en sais trop rien comment ça marche. Là, je vois que ça augmente par 60, mais des fois on gagne avant d'atteindre les 100, des fois c'est quand ils arrivent à zéro, j'en sais trop rien. Enfin, je comprends pas tout encore là-dedans. Alors, il est où lui? Ah ben, il est là, il est juste là. Et on a rechargé. Alors là, on va taper là. Vas-y, on va aligner le dernier canon tant qu'on y est. Vas-y, feu, mon ami, feu. Voilà, il a pris cher une citadelle, c'est ça qu'on aime. Encore une pour l'achever. Non, raté, dommage. 9 km, on va déjà finir celui-là. Donc ça me shoot, bah oui, il y a quasiment plus que moi à porter là. Mais ça va, il tire comme des manchots là, les bottes là, clairement. On va quand même aligner tous nos canons. Il a l'air à l'arrêt là. Non, il n'est pas vraiment à l'arrêt. Là, il est à l'arrêt, clairement. On va lui tirer tout là dans les dents. Là. Ah, il avance par là. Très bien, tout d'un coup, il avance par là assez rapidement. Je sais pas si ça part bien là, normalement on peut peut-être le finir, non, dommage. Il a pivoté, il a fait je sais pas quoi, bon c'est pas grave, on va aller dessus. S'il capture encore, on peut peut-être ralentir là gentiment, il tire comme des manchots comme je disais. Donc c'est pas gênant. Ok, désolé pour les manchots qui nous regardent. C'est pas contre vous les amis. très bien, alors. Il est où là? 7 km, vas-y on va taper là. Taper là aussi, ça a l'air d'être bon. Voilà, il va mourir là. Ah ben victoire, voilà victoire. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un petit kill. Bon, dommage pour la gagne comme ça par la cap. Oh, on a déjà atteint les 1000. Ok, ça a été vite. Pas bien compris pourquoi ça a augmenté d'un coup comme ça.
C'est pas grave, on a quand même fait notre petit taf là, vite fait. C'était une partie tranquille, tranquille. On a une petite médaille, c'est quoi? Expert en combat rapproché, très bien. Très bien, très bien, tant mieux. Ça c'est fait, j'ai envie de dire, on a déjà fait comme ça la fois 3 là, enfin la fois 2, je sais pas exactement, la fois 50% là. Du coup, on a peut-être débloqué le petit navire suivant, 6700 pour le Miyogi. On a pris combien d'XP? 6270, ok. On en refera une du coup, on va pas cramer notre XP. On a quand même 8000 d'XP libre. En vrai, on pourrait le cramer. J'en ai pas assez avec ça après. Vas-y, tu sais quoi, on va le cramer. Ah oui, j'ai oublié de demander à mes amis là, rechercher et acheter. Où est-ce qu'on trouve les commandants là dans le petit bordel là, dans le petit bordel de jeu là finalement. Assigner un commandant, vas-y. On va prendre celui-là, niveau 10, et on va le réentraîner tout simplement. Qu'est-ce que je voulais encore? Allez, à l'équipement. Ah oui, il faudrait peut-être d'abord que je vende les trucs du précédent. Où est-ce qu'ils sont? Alors là, du coup, pas de commandant. Oui, c'est celui-là qu'il faut vendre. Le Kawashi, on l'a terminé. Il est élite. Parfait. On peut donc le vendre. Oui, on enlève les équipements. Voilà, on va mettre les filtres niveau 4. On n'a plus besoin des filtres niveau 3 là tout de suite. Normalement, on n'a plus que du 4, 7 et 5 à acheter. Vous avez vu, j'ai acheté le Colorado hier soir. D'ailleurs, il faut que je le mette meilleur en équipement. J'ai combien de 33 000 XP dessus? Qu'est-ce que je peux acheter? C'est quand même cher tout ça. Après, je peux acheter quasiment tout. Je vais peut-être acheter ça en prio. Qu'est-ce que ça dit? Portée de tir de la batterie. Ça peut être sympa. On va l'augmenter, même s'il tire déjà assez loin. C'est quand même un cuirassé. Mais quand même, j'aime bien tirer de très loin, moi. Je débute. J'aime pas de prendre cher là d'entrée. On a combien d'XP du navire? C'est où qu'on voit ça? 24 000 et des. Vas-y, on va acheter la coque là. Du coup, le moteur, on verra après. Et on va juste cramer 244 XP libre. Voilà. Moteur, c'est pas très cher, mais on va attendre quand même. Donc, le Colorado, là, il est prêt. J'ai fait un peu de bataille asymétrique hier avec le clan. Ça s'est bien passé. Donc, je crois qu'on a tout gagné. D'ailleurs, on a fait 4 ou 5. Je crois qu'on a tout gagné pratiquement. Peut-être on a fait une défaite. Je sais pas. Non, même pas, je crois. Je crois qu'on a tout gagné. On roule un peu dessus, là, en bataille asymétrique. Les bots, là, c'est pas le plus difficile, honnêtement. Donc, voilà. Alors, tant que j'y suis, j'ai fumé une clope. Tiens, tant que j'y suis, à faire mes bidouillages, là. Alors, désolé pour le temps d'allumage de la clope. Voilà, c'est parti du stream, on va dire. Alors, est-ce qu'on le met full? Il coûte pas très cher à mettre full, quasiment full, en tout cas. Au moins, la coque supérieure, qu'est-ce que ça dit? Capacité de survie, ça, c'est quoi? Portée de tir aussi, plus 1,5, vas-y, on va le mettre aussi, ça. Ça peut être sympa, on crame un peu d'XP libre, oui, acheter, installer. Faut que je revoie mon dépôt, j'ai trouvé le dépôt, là, dans l'émission, il nous parle du dépôt. Vas-y, ça, on va le faire aussi. Ça peut être rigolo, ça peut être sympa, on va acheter, installer, voilà. Donc, on va prendre ça aussi, comme ça, on n'a plus à s'inquiéter de ça. On ira juste rechercher la coque, on est de toute façon obligé d'y passer. Et on va installer des petits équipements, on met toujours les mêmes. Là, j'en ai deux disponibles. Est-ce que je les mets? Oh, vas-y, c'est 125 000, ça. Je pense que c'est mieux, ça. Là, tout de suite. Donc, on va mettre ça. Hop. Et ça, on va mettre ça comme d'hab. Système de contrôle des avaries. Voilà. Là, on est prêt, normalement. Les drapeaux, on m'a dit de les cramer. On m'a dit de les utiliser. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que j'en regagne, là. Je vois que j'en regagne aucun. Donc j'ai pas envie de tout cramer là tout de suite, franchement. On m'a dit de les mettre que c'était très fort, mais voilà quoi. C'est pas pour vous contredire, mais tant que je gagne pas plus, après je peux peut-être en gagner dans les containers, certainement. D'ailleurs là je vais mettre, j'ai oublié ce petit détail bonus de navire, 800%. Après c'est pas la priorité ce navire-là, sachant que j'ai plus que 55 comme ça, je vais peut-être pas en cramer trop non plus. XP de commandant, ça oui on peut. Ça, c'est pas très grave pour l'instant. Et XP libre, on va s'achever ces petits-là déjà. Là, ce sera déjà bien. Bonus de crédit, non. Pas sur les non-premium. Je les mets sur les premium, tant qu'à faire. Je pense que ça rapporte plus de crédit. Si c'est comme World of Tanks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les premium rapportent plus de crédit. J'ai pas trop remarqué. Enfin, en même temps, c'est pas très comparable. Là, j'aurais pu comparer celui-là et celui-là, par exemple. Les deux Américains Tier 7. Honnêtement, hier soir, j'ai pas trop fait gaffe. Je les ai pas joués les deux à la suite non plus. J'ai pas fait les mêmes games non plus. Vous voyez pas les mêmes dégâts, etc. Donc voilà. Du coup,
va se donner un peu plus de challenge pour cette deuxième partie. Quoique en tier 4, ça peut être tout de suite un peu mieux. Encore qu'il y a encore beaucoup de bots, je crois, en tier 4. C'est à partir du 5-6 qu'il y a moins de bots. Bref, on va partir faire notre x2 sur ce navire-là. On a bien nos bonus. On vient de le mettre full, ça c'est bon. Vas-y, c'est parti, c'est parti. On va gagner bientôt une compétence de commandant. Ah là, il y a tout de suite plus de monde. Et rassurez-vous, je voulais vous dire, on va jouer du World of Tank aujourd'hui avec la mise à jour 1.23.1, là, ou je ne sais combien. Et normalement, les amis, j'ai assez d'XP libre et de plans. Surtout, j'utilise d'abord mes plans, évidemment. J'ai bien assez de plans internationaux et japonais pour débloquer le tier 10. Ben, japonais, quoi, le tier 10 lourd, là, le BZ. Non, c'est quoi? Pas BZ, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est chinois. Le type, je ne sais plus combien, 67, c'est ça, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais plus, peut-être le premium, ça, je ne sais plus. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, le tier 10 lourd avec système de refroidissement du canon. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Normalement, j'ai assez de crédit, ou presque, s'il faut. Je trierai un peu mon dépôt, disons. Pourquoi il ne me trouve pas? Pourquoi c'est si long, là, une minute, là? Alors qu'il y a quand même pas mal de joueurs. J'espère quand même être un peu top tier, pas trop de tier 8 en tout cas. Si possible, pas de 9, j'ai pas encore vu des 9, je crois. Je suis pas encore tombé dans une bataille avec du 9, tant mieux, tant mieux. Parce que je me sens pas prêt, clairement. Du 8, ça oui, plusieurs fois avec les premiums, etc. Mais du 9, j'ai un peu peur qu'il me lamine les fesses là, clairement. On a un bon bateau, là je vais y arriver, un bon avion, j'allais dire un bon char, enfin voilà, je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là. Non, un beau bâton, un beau bateau. Je vais y arriver, clairement. Puis je suis encore mal réveillé là, désolé. Comme je disais, maintenant il est 6h18 pour vous prouver que je dis pas des bêtises si vous regardez la vidéo. Voilà, ça part pas en attendant. Ça va partir là, je suppose. 2 minutes, non, ah non, c'est pas limité, tiens. Le temps n'est pas limité, alors ça va quand même partir, je suppose. S'il faut, on mettra des bots. Ils ne mettent peut-être pas de bots. À ce niveau-là, 2 minutes, ouais, non, ils ne mettent pas de bots. Hein. C'est bizarre, parce qu'on est 27, j'aurais dû partir depuis longtemps. Normalement, c'est combien? C'est 24 joueurs, c'est ça, c'est 12 et 12. 31, là, ça va partir, même s'il y a beaucoup de cuirassés. 18, on est passé à 18, ils m'ont pas pris, ils ont lancé une bataille, là, on était plus de 30. Ils ont lancé une bataille, ils m'ont pas pris, alors que je suis quand même en fil depuis 2 minutes 25, là, des fois, je comprends pas trop le délire. Je vais perdre ma sorde, là, aussi, moi. Ça prendra à fumer des clopes de merde, là, bientôt. Bref, toutes des clopes de merde, vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors ça ne part pas, ok, il y en a encore plein qui sont partis, là il y en a encore une 24 qui sont partis, certainement en bataille, et moi je suis toujours pas parti, alors que je suis quand même dans la file depuis un bon moment là, normalement je suis le prochain à partir, j'espère, je dois être le premier dans la file là du coup, porte-avions, ouais, ça si on peut éviter, on évite sous-marin aussi, je sais pas encore comment les gérer, il faudrait bien que j'apprenne, vous allez me dire, autant apprendre au tier 7 qu'au tier 10, c'est sûr, ce sera peut-être plus facile. Par contre, là, je ne pars pas toujours. Il faut à nouveau attendre 24 joueurs, certainement. Minimum, il y en a 16. Il y a des destroyers et deux sous-marins. On va s'en taper un, là, c'est sûr. On va s'en farcir, les amis. Bon, 3 minutes 23, ça devient long, là. Je veux bien meubler. Je veux bien meubler la chaîne YouTube. Mais là, finalement, j'ai coupé le stream, quoi. Et je relancerai, je sais pas. Bon. Ça devrait pas tarder, là. 22 joueurs, là. Voilà, ça y est. Enfin, purée. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Je vais vous montrer comment je joue mon Colorado. Alors attention, c'est pas gagné. On m'a dit de rester de face, on m'a dit de rester dans le fond. Ouais, 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 j'aime pas trop ça, mais enfin, des fois, il faut quand même avancer au bout d'un moment, mais... Voilà, quoi, si ça se joue comme ça, ça se joue comme ça. Je vais pas refaire les règles du jeu, là. Voilà, quoi, je vais suivre les indications. Alors là, je vais aller où, justement? Ah, j'ai pas envie d'aller du côté du sous-marin. De toute façon, j'aime bien avancer en crabe au début. C'est quoi, je vais aller me balader par là, voir si j'y suis. Me mettre un peu de flanc, en essayant de ne pas être trop vite spot, en restant assez loin dans le fond, voilà, comme on m'a appris. De toute façon, c'est comme ça que ça se joue apparemment, les cuirassés, donc voilà. On tape de loin, il y en a deux, des cuirassés. Qu'est-ce que ça dit le matchmaking d'ailleurs? Ah bah cool, il y a du tier 5, il y a 3 tier 7, ok, très bien. 2 tier 6, il y a 2 sous-marins tier 6 dans chaque équipe. Et le reste, c'est du tier 5, ça c'est cool.
On est top tier, on va faire un petit carnage si tout va bien. C'est pas des bots, hein. Non, il n'y a aucun bot, aucun bot. Mais on n'est même pas 12 finalement, on est à peine 9, 9 dans chaque équipe. Très bien, très bien. Est-ce que au tir c'est 15 contre 15? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, je sais pas. Je sais pas si normalement c'est prévu pour être 15 contre 15. Il me semblait que d'habitude c'était 12 contre 12. La plupart de mes batailles, j'ai pas toujours compté non plus, mais voilà quoi. Très bien, très bien. Il y en a déjà qui pré-shoot ou ils shootent dans la montagne. Tu vas juste être spoté là, mon ami, à tirer comme ça. Je sais pas ce qu'il fait. Lui, il est quel niveau? Lui, c'est qui? Nash 86, Koningsberg. Oui, il est encore un peu débutant. Il connaît pas les subtilités pour être spot, etc. Oui, il est niveau 5. Je veux bien. Pourquoi il a aussi à côté de lui? C'est quoi? C'est. Je crois que c'était les pelotons, mais non, apparemment. Il va pas être tout seul dans son peloton. Là, je vois A, B. Bon, je sais pas. C'est parce que c'est ouvrir le panneau des options. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas grave. On va attendre du spot là, gentiment. On va s'écarter un petit peu de côté du sous-marin. On va laisser ça aux autres. J'ai des grenades anti-sous-marin, donc je vais peut-être pouvoir les utiliser quand même. Après, il va falloir que j'apprenne comment. Mais en tout cas, on est parti pour faire des gros gros dégâts, des gros trous là. Je crois qu'on a un bon canon. On a combien de millimètres là? 406, merveilleux, c'est comme le premium là, le Virginia, le West Virginia. Ça cap en A, ça cap en B, il y en a là-bas. Non, il est trop loin à tous les coups. Faudrait du spot là, les amis. Ouais, c'est un peu compliqué là tout de suite, apparemment. Là, on va pouvoir shooter B. Normalement, on a des accès partout. Donc, on attend juste le spot. Pourquoi? Ok, je peux pas tirer si loin. Oh, j'ai quoi comme portée? Ah, bah si, j'ai quoi? Je peux tirer dans tout B là. Ça finit où B? Ça finit. Ah oui, ça finit là où il y a les petits flotteurs là. Ok, on n'y voit rien, on y voit goutte. Ok, là-bas il y en a au sud, mais ils sont trop loin aussi. Là-bas il y en a un qui avance par ici. Peut-être qu'on pourrait l'avoir. Ah oui, là on peut l'avoir clairement. Je croyais qu'il était juste hors de la limite de portée de tir. Alors il est à 18 km, il est vachement loin, il avance pas vraiment à fond. Quoique, allez, je vais risquer là. On verra bien. Ah ben, l'autre il a été spot dans la cape. Attention à pas perdre à la cape non plus. Allez, ça part, ça part, ça part. J'ai été spot, c'est pas très grave. De flore, mais c'est pas très... Ah, il va prendre cher là. Ah non, pas tellement. Dommage, dommage. J'ai cru. Il prend feu par contre, ça c'est cool. Le petit tir sec, peut-être, j'en sais trop rien. C'est quoi? Nagano, très bien, il est mort, parfait. Eux, ce serait bien de les fumer. C'est les spotters, c'est les torpilleurs, c'est tout ça de gênant. Alors il s'enfuit de la cape. Très bien, alors il va par là. Il est quand même à 15 km, il va vachement vite. Ok, je vais tirer là, on verra bien, vous me direz. Si j'ai bien tiré ou pas, on va le voir tout de suite. D'ailleurs, ok, il va peut-être prendre cher avant. Ah, ça part pas si mal. Peut-être celle de droite là. Ah, dommage, juste derrière. Il fallait tirer encore plus devant. Ok, parfait, il est mort. Bon, finalement, on va rouler dessus. Je vais rien faire. Alors, je vais avancer tout droit. Vous savez quoi? Je vais me mettre en demi là. Et je vais avancer tout droit. Là-bas, on a quelque chose qui se promène. C'est un cuirassé. Attention à lui. Des cuirassés là, ils sont quel niveau? Tous les deux niveau 7. Attention à eux. C'est les top tiers, c'est les boss comme moi, je suis le boss dans cette game normalement, même si je suis complètement noob, hein, je vous le cache pas, je suis complètement noob. Alors on va se mettre pas trop de face, pas trop de flanc, quoique on peut accélérer là tout de suite. On va essayer d'avancer un peu. Il y a quoi? Il n'y a pas de porte-avions, non? Là je ne vois rien, je ne spot rien, sérieusement, bon, on est en train de tout caper là, on va gagner à la cape et j'aurais fait 0 de dégâts. Ah non, j'ai quand même fait 1240, merveilleux, merveilleux. Ok, ça avance, ça avance. On va au combat, quoi, finalement. On peut un peu attaquer, peut-être. Apparemment, on a pris un peu tout le milieu, là. Les autres derrière, ils campent, là. Chez eux, apparemment, un peu comme moi, vous me direz. Très bien, très bien. On va avancer à fond, vers les oiseaux, là, vers les ennemis. Là, on a peut-être accès, gentiment, de le shooter. Non, pas encore. On va un peu se décaler. Qu'est-ce que c'est là? De la pluie, des nuages, je sais pas pourquoi, c'est parce que ça change, ça fait du brouillard de guerre ou bien. Là, il a l'air d'avancer par là, il est quand même à 19 km, il a l'air d'avancer vers nous. Je vais essayer d'aligner tous mes canons. Là, on est peut-être pas mal là, il est pas très rapide. C'est quoi? Je vais déjà taper là, on va déjà voir où ça atterrit. Je suis repéré, ça c'est pas gênant. Alors on va voir où ça atterrit, ça part pas mal. Ça part pas mal, non, ce sera peut-être un peu derrière, quoique. Là, ça touche à beau 6000. Alors, on va retaper au même endroit, là, du coup. Avec nos canons arrière, là, qui se sont alignés entre-temps. On aurait pu taper un peu devant. Ah, là, je sais pas, ouais, ça va partir derrière quand même, là, non. Ah, ça part pas mal quand même. Ah, oui, 8000, 8000, c'est bon, c'est bon. Ça tabasse. Alors, on a déjà rechargé nos canons avant. Ils vont se rentrer dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là, le 17 km 3, là? Il avance par là aussi, attention à la montagne. Ok,
Ok, on va taper là du coup. Il a l'air d'avancer par là, mais il va très très lentement lui. Ça me shoot. Ah, je prends des tirs là. J'ai pris quoi? J'ai pris quoi? Lui, on l'a pas touché malheureusement. Il est à l'arrêt là, clairement. Il est à l'arrêt, on va en profiter, les gars. On va en profiter. C'est lui que je vise, oui, c'est lui que je vise. Il a disparu, il est réapparu. Très bien, très bien. On avance toujours un peu en crabe. Là, il va peut-être prendre cher. Non, il y a tout qui passe autour. Bon. Pas terrible. Alors là, il a disparu, mais il avait l'air d'assez immobile, un peu en marche arrière, un peu tout ça. Lui, il est à combien de bornes là? Il est trop loin par contre, lui. Faudrait se ravancer. Ah là-bas, droit devant, ça faudrait le finir. Je vais avoir mes canons arrière qui vont recharger normalement. Ça faudrait le finir. Il est juste de cul là. Ah non, ouais, mes canons arrière, ils sont pas alignés du coup. Ah, crotte et zut. Les deux autres, ils vont ressortir de la colline. Allez, est-ce qu'on peut le spot lui? On va essayer d'aligner nos canons arrière, mais ce serait bien à un moment de se mettre un peu, d'avancer un peu de l'autre côté. Vous savez quoi, on va juste aligner les canons avant là tout de suite, histoire de rester dans l'action. Ils ont l'air tous à droite gentiment là. Sur notre droite, alors là-bas il y a du spot, c'est un peu loin. Ah, sous-marin, tiens, why not? C'est peut-être pas si loin. Est-ce que les grenades sous-marines vont aussi loin? Là, je vois pas trop où il va. Difficile à viser, ça, je sais pas trop comment dire. Il est submergé là ou pas? 15 km, vas-y, je vais taper là. Sous-marin contre sous-marin, alors l'autre il est plus spot là, non. Je sais pas où ça va atterrir les grenades sous-marines, alors est-ce que ça va aussi loin? Non, apparemment non. Moins de portée, on peut regarder la portée. 8 km, ok, c'est pas énorme, c'est pas foufou. Là-bas, lui il a repop, vas-y, on va essayer de l'achever. Ah ben il prend cher, il prend chichi, il va mourir là normalement, voilà, ça y est. Parfait, parfait. J'ai pas fait grand-chose. 16 000 de dégâts. Le sous-marin, je l'ai pas eu. Apparemment, est-ce qu'il était submergé ou je n'en sais rien. Alors lui, il a réapparu sous vos yeux ébahis. Il va vraiment lentement. Il est quand même à 13 km, mais il va vraiment lentement. On a tiré tous nos canons dessus là. Petits avions là-haut, on les voit plus. Merveilleux. Alors est-ce qu'il prend? Oui, à bon 9 000, c'est bien. Ça me fait des stats, ça. Il se replanque là derrière, du coup. Il a compris. Notre sous-marin, est-ce qu'il y arrive là? Il est un peu tout seul contre 4, notre zozo là. Est-ce qu'il se spot entre sous-marins? Attention à tes miches du coup, le sous-marin. Ah, lui il réapparaît. Non, on ne le voit déjà plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir du spot, monsieur le sous-marin? S'il vous plaît. On va peut-être ralentir un poil là. On n'est pas si. Ah, pourquoi je m'arrête d'un coup là? Ah non, c'est un lag. Ok, c'était juste un lag. Ok. Là-bas, il y en a un autre. Est-ce que. Non, il y a la colline par-dessus, clairement là. Bon, tant pis. Qu'est-ce que j'ai au fait là? Je peux réparer. Tout ça, tout ça. L'autre, il a pas réapparu là au bout. Ok, ils sont en train de capturer. Ah, lui là-bas, ah, il s'enfuit par là. On va tirer là, juste avant la colline. Je pense pas que ça touche, mais bon, on sait jamais sur un malentendu. Non, ça part loin derrière. Ouais, ça part derrière, malheureusement. Bah, je vais avancer droit sur eux. Hein. Je vais me mettre en full vitesse quand même là au bout d'un moment. Lui, il réapparaît là. Vas-y, recharge mon petit, recharge, recharge, recharge. Lui, je sais pas les risques qu'il prend là, avancer comme ça en latéral là, clairement. Il sait pas les risques qu'il prend là. Alors, on va tirer là, ça me semble bien, 11 km. Ça sort pas déconnant. Ouais, ça part bien, ça part bien, ça part bien. Il va prendre cher citadelle. Non, dommage, pas grand chose. Pas grand chose quand même quelques dégâts, mais pas tant que ça. On le spot pas, le zozo. Ah, ça y est, j'en prends de là-bas, tiens. Intéressant. Comment ça se fait qu'il me shoot de là, lui, et que je le vois pas? Comment est-ce possible? Attention, là, on n'est pas si bien que ça, en fait. On gagne à la cape, on gagne au cap, mais on n'est pas si bien que ça. On est en train de perdre des petits navires à gauche, à droite, et on ne spotte rien. Je vais peut-être me soigner, là, tout de suite, d'ailleurs. Vu que j'ai pris un peu cher, là, dernièrement, là, sur les derniers tirs. Okay, là-bas, il y en a un, apparemment, mais il y a du brouillard, là, ou je ne sais quoi. Pourquoi on n'y voit rien, là? Normalement, il est à portée de. Il est quelque part par là. Il y a des torpilles qui partent dessus, d'ailleurs. Apparemment, non, elles sont passées. Ok, peut-être, on n'y voit rien là. Clairement, on n'y voit rien avec la tempête. Cyclone, très bien. Ça, je connaissais pas ce genre d'événement. Donc, on n'y voit rien. Alors, lui, peut-être. Ah, lui, on va l'avoir normalement. Ok, vous savez quoi? On va mettre les grenades là. Je sais pas comment ça. Ah, pourquoi? Oh, merde, c'est 4. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok, lui. Vas-y, il vient droit sur nous. Vas-y, on va les mettre là. Je sais pas si c'est un bon plan. Ça part, ça part. Je sais pas trop comment ça marche. On va refaire le 2. Apparemment, on a lancé toutes nos grenades. Est-ce que ça lui fait mal ou pas? J'en sais trop rien.
Attention, torpille, torpille. Oh, je vais toutes les prendre là. Je vais prendre les trois là. Voilà, oh, là. Inondation, la totale, la totale. Ça, c'est moche. Ça, c'est ça. Est-ce qu'on a eu le sous-marin? Non, même pas. Lui, il est juste là. Lui, clairement, on va le shooter. On va le shooter. Il avance pas si vite. Attention, là, je vais pas. Alors, on se rentre dedans avec le sous-marin. Il est passé où là, leur sous-marin? J'en sais trop. Je suis un peu mal là tout de suite. Je me retrouve tout de suite là face à tout le monde. Attention, encore des torpilles apparemment. Je sais pas où elles sont. Là, il y en a une. Ok, c'est une téléguidée. J'espère que non. C'est bon, elles sont passées apparemment. J'aimerais spotter le sous-marin. Mais il a encore de l'air apparemment. Je vais me mettre de face. Qu'est-ce que j'ai là? Des petits chasseurs. Enfin, je vais me mettre de face. Oh là là, oh là là. Torpille, torpille encore. Non, je vais en prendre une. Pas deux, pas deux, s'il vous plaît. Non, c'est déjà bien une seule. Il faudrait le shooter au bout d'un moment. Benito, je sais pas ce que tu chipotes. Et on va aligner quand même nos canons arrière. Je sais pas si c'est un bon plan. On va pouvoir se re-soigner. Pourquoi je peux pas tirer là? Pourquoi je peux pas tirer? Qu'est-ce qui se passe? Je vais me soigner. Allez, je prends encore ma torpille. Là, le sous-marin, il est en train de me canarder. Là, je vais mourir. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Ce sous-marin de mort, il m'a tout envoyé. Je pense que c'est lui. C'est lui? Non, c'est même pas lui. C'est le c'est quoi ça? Destroyer là, je sais pas quoi là. Non, c'est pas destroyer. Enfin, j'ai pas fait tant que ça, 40 000. Alors que j'étais top tier, est-ce qu'on va quand même la gagner? On a un rose dans notre équipe. Bon, j'ai pas pu trop taper finalement. Lui, c'est toujours le même qui était assez en slip là. Oui, je pense que c'est lui. J'espère qu'il s'en sort. Le sous-marin, je sais pas pourquoi il fait pas du contre-sous-marinage. Ah ben, on a plus de sous-marin. Là, c'est peut-être le roi du monde, le sous-marin, s'il joue bien. Je sais pas, on verra ça. Ah ouais, je suis un peu déçu de ma game là, clairement. Je pouvais faire mieux, mais en même temps, j'ai l'impression que j'étais jamais au bon endroit. Et puis, il y avait la tempête. Bon, peu importe, tant pis. C'est comme ça, voilà. J'espère que ça vous a plu là-dessus, la vidéo. Malgré tout, j'espère qu'on la gagne. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo, voir si on l'a gagné ou pas. Voilà. En tout cas, la prochaine vidéo, on jouera ça et peut-être ça. Dans bataille aléatoire, là, pour essayer de faire les x2. Voilà, pour avancer dans ces branches-là aussi. Ça, c'est un peu compliqué tout de suite à jouer. J'ai tendance à aller en zigzag quand même, mais trop au front. Voilà, donc tout de suite un peu plus compliqué à jouer. C'est tellement rapide que je me dis, je peux danser entre les obus, mais en fait, non, au bout d'un moment, ils finissent par me toucher tous. Donc, un peu compliqué à jouer, mais peut-être en restant un peu plus en retrait, ça peut le faire. Faut que je m'habitue, voilà, on verra ça. J'ai tendance à faire ça aussi avec celui-là, vu que c'est le même type de navire. C'est quoi d'ailleurs? Croiseur, voilà, croiseur. Ok, donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, merci à vous d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine. Bye bye.